بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bienvenue à vous pour cette nouvelle série de cours afin d'apprendre à comprendre l'arabe, à parler l'arabe et à lire l'arabe sans les voyelles. Alors, vous l'avez compris, c'est des cours d'arabe littéraire si on veut, donc il faut impérativement, pour pouvoir suivre ces cours-là, cette série-là, il faut impérativement savoir déjà lire l'arabe avec les voyelles bien sûr et écrire l'arabe, même si votre lecture n'est pas fluide, même si euh, votre écriture n'est pas parfaite ou complète, on va dire, mais il faut au minimum savoir lire l'arabe avec les voyelles et écrire l'arabe. alors si vous ne savez pas lire et écrire l'arabe, eh bien, il y a une série qui a été mise en place par moi-même, donc euh, j'ai enregistré toute une série qui est disponible, à apprendre à lire l'arabe. donc je vous renvoie vers cette, cette série. Ensuite, vous pourrez, incha'Allah ta'ala, nous rejoindre pour cette nouvelle série. Car là, on ne va pas apprendre à lire simplement l'arabe, mais lire sans les voyelles et parler et comprendre l'arabe. D'accord Donc, il faut passer, on va dire, du niveau débutant au niveau intermédiaire. Être déjà dans un niveau, un certain niveau intermédiaire, si on veut, afin de pouvoir entamer cette série-là. Si par contre, vous savez déjà lire l'arabe et vous savez déjà écrire l'arabe, eh bien, ici, c'est pour vous. Cette série est pour vous, incha'Allah ta'ala. Alors, la langue arabe, ici, c'est un domaine qui intéresse beaucoup de musulmans. Surtout quand on est assez frustré lorsqu'on écoute un sermon du vendredi ou lorsqu'on entend la parole de notre Seigneur, à savoir le Coran, et qu'on ne comprend pas. On est toujours obligé de se référer à la traduction du sens quand on lit le Coran ou la traduction de ce que dit l'imam pour pouvoir comprendre. Alors, je tiens à rappeler que apprendre l'arabe, ce n'est pas une obligation pour tous les musulmans. Donc, quand je dis une obligation pour tous les musulmans, c'est-à-dire celui qui n'apprend pas la langue arabe, eh bien, il n'est pas pécheur. Par contre, il y a un minimum à connaître, à savoir réciter surat la fatiha en langue arabe pour la prière, c'est obligatoire, connaître certaines évocations, invocations en langue arabe, etc. Mais à partir du moment où euh, la personne connaît le strict minimum, elle n'est pas considérée comme étant pêcheur si elle ne connaît pas l'arabe. Par contre, c'est quelque chose d'extrêmement important que d'apprendre l'arabe pour la vie d'un musulman. Comme je vous ai dit précédemment, pour enfin pouvoir comprendre la parole d'Allah directement, c'est-à-dire sans passer par une traduction du sens. Comprendre un cours, une exhortation, un serment en langue arabe directement sans avoir besoin d'une traduction. Pourquoi parce que vous savez très bien que quand on passe par une traduction, ça fait perdre quelque part une partie du sens, ou du moins l'effet direct que peut nous apporter cette langue-là quand on la comprend directement. Surtout quand on parle d'un point de vue religieux. Quand on comprend l'arabe directement en langue, euh, le Coran pardon directement en langue arabe l'effet n'a rien à voir avec le fait de lire une traduction ça n'a strictement rien à voir il y a un effet particulier de même un sermon du vendredi une exhortation un cours quand on le comprend directement en langue arabe l'effet est tout autre tout simplement parce que la langue arabe d'ailleurs toutes les langues sont riches mais la langue arabe est une langue extrêmement riche c'est pour ça que quelquefois un terme eh bien, on ne pourra pas le traduire avec simplement un mot en français, par exemple, ou en anglais. Il nous faudra plusieurs mots, plusieurs phrases quelquefois, tellement que le mot est difficilement, euh, on peut difficilement le traduire avec un seul mot. Il, il est tellement riche. Donc, il faut plusieurs phrases pour traduire ce mot-là. Alors, imaginez-vous quand vous comprenez ce mot-là directement et une série de mots en langue arabe, ou le Coran, ou, ou, ou une exhortation en langue arabe. Vous voyez que euh, l'impact est tout autre. D'où l'importance d'apprendre l'arabe. Alors, ici, je, la série de cours que je vais vous proposer, ce n'est pas dans le but de devenir de grands arabophones très éloquents avec un niveau, mais simplement de pouvoir au moins, au moins. Alors, il y a trois étapes si vous voulez. La première étape, ça vous permettra, Inch'Allah, de lire l'arabe sans les voyelles. D'accord Donc, vous avez sûrement appris déjà à lire. Bien sûr, vous avez appris à lire l'arabe, mais avec les voyelles, la fatha, la kasra. Là, le but, ça sera de pouvoir lire sans aucune voyelle. Vous avez sûrement dû remarquer que dans des livres, eh bien, vous voyez, l'arabe écrit, et dans, je pense, même la majorité des livres, hein, on peut le dire, eh bien, l'arabe est écrit mais sans voyelle. Et donc là, c'est difficile pour vous de pouvoir lire, sauf si vous avez des bases dans la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, etc. Donc, la première étape, ça va vous permettre de lire l'arabe, ici, cette série de cours, sans aucune voyelle, Insh'Allah. La deuxième étape, ça vous permettra de comprendre, d'accord De comprendre l'arabe. Même si vous n'arrivez pas à parler correctement ou très très bien, mais au moins là, vous arriverez, inshallah, au taala si vous fournissez les efforts pour, hein, eh bien, à comprendre l'arabe. Même si vous ne comprenez pas tout, mais vous arriverez à comprendre la quasi-totalité d'un cours, d'une exhortation, d'un sermon, de la parole de notre Seigneur, tout en sachant que, bien sûr, pour le Coran, il ne suffit pas de connaître ou de comprendre le Coran directement, mais il faut un, une explication, un tafsir, un sharh. D'accord L'exégèse du Coran. Mais ça, c'est un autre domaine. Moi, je parle simplement de comprendre le sens premier. Donc, ici, on va passer à la deuxième étape à travers ces cours. InshaAllah. Ces cours vous permettront, inshallah de comprendre l'arabe. Et la troisième étape, c'est de parler l'arabe. C'est l'étape la plus difficile, si on veut. Mais euh, ce n'est pas le plus important, mais ça reste important. Tout en sachant que dans la vie du musulman, le plus important n'est pas de comprendre et de parler l'arabe, sachant que nous sommes dans un... Une époque aujourd'hui où beaucoup de traductions sont disponibles et même pas que les traductions, mais l'explication de ces traductions par des arabophones, etc., en langue française ou anglaise, etc. Donc, Alhamdulillah, nous nous apprenons ce qu'il nous faut dans la religion et qui nous est utile et, nous est, et qui nous est obligatoire de connaître. D'accord Donc, il faut respecter les priorités. Je ne vais pas apprendre des choses qui ne vont pas être utiles ou qui ne vont pas être bénéfiques pour ma. Proximité avec Monseigneur Tabaraka wa Ta'ala. D'accord Donc l'arabe, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et de toute manière, de manière générale, disons-le, apprendre des langues, c'est une richesse intellectuelle et qui ouvre énormément de portes, surtout certaines langues, à savoir l'anglais, qui est parlé dans la quasi-totalité des pays du monde. Donc aujourd'hui, je ne parle pas d'un point de vue religieux, mais de manière générale, c'est extrêmement important de connaître l'anglais. Quelqu'un qui est anglophone et francophone, par exemple, et qui n'est pas que francophone, aura beaucoup plus d'opportunités que quelqu'un qui est simplement francophone. C'est clair. Et l'arabe aussi, parce que vous savez qu'il y a un, un, énormément de pays dans le monde qui parlent la langue arabe, et c'est une langue très riche. Et donc c'est pour cela que connaître l'arabe, c'est très important d'un point de vue, ne serait-ce que culturel déjà aussi. Et cette langue-là pourra vous ouvrir énormément de portes. Et c'est sûr quand on va dans un pays et qu'on n'a pas, par exemple, la langue... Euh, ici que parlent, euh, qu'utilisent les habitants de ce pays, on se sent frustré. Euh, vous voyez simplement pour celles et ceux qui ont fait le Umrah ou le Hajj, quand vous arrivez, vous n'arrivez pas à parler l'arabe, vous êtes frustré. Donc c'est pour ça que ça ça ouvre ça ouvre beaucoup de portes le fait d'apprendre plusieurs langues. Donc enrichissez-vous à, à travers l'apprentissage des langues et particulièrement je vous recommande bien sûr l'arabe en tant que religieux aussi, l'arabe et l'anglais. C'est deux langues qui sont extrêmement importantes euh, surtout aujourd'hui à notre époque. Donc euh, L'arabe, il faut savoir qu'il euh, a des règles, comme, euh, le, le, comme euh, différentes disciplines de toute manière. Mais il faut savoir que à l'époque du prophète, et à l'époque des compagnons au Sahaba, il n'y avait pas les règles qui étaient codifiées. Les règles de grammaire, de conjugaison n'étaient pas réunies, écrites, recensées, enseignées. Pourquoi Parce qu'ils étaient tellement forts dans la langue arabe. Et c'est une des raisons pourquoi Allah, subhanahu wa notre Seigneur, a révélé le Coran en langue arabe pour un peuple qui était des experts et les plus éloquents euh, ici euh, euh, à travers cette langue qui était la langue arabe. Donc c'était pour leur montrer, vous êtes les plus éloquents, vous êtes les plus, les plus grands des poètes, vous maniez très bien la langue arabe, bah, lisez le Coran. Et quand ils ont lu le Coran, bah, un grand nombre d'entre eux se sont dit, mais bah, c'est pas possible que ça vienne d'un être humain. Nous, on est les experts dans la langue arabe. On est les meilleurs, on est les poètes, on est les Et comment cela se fait-il que un être humain aurait pu écrire cela Non, ça ne vient pas d'un être humain, ça ne peut être qu'une parole divine. Donc, ça ne peut être que la vérité. Le prophète Alayhi Salam ne peut dire que la vérité. Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala savait très bien car c'est lui qui crée toutes choses et qui a créé ses créatures et ses serviteurs, savait très bien que les Arabes étaient très forts dans la langue arabe. C'est pour cela qu'il a descendu et révélé entre autres le Coran en langue arabe. Et s'il a choisi la langue arabe pour le dernier délivrer le meilleur des livres, c'est qu'on en déduit que pour notre Seigneur, la langue arabe est la meilleure des langues. Donc, c'est pour cela, il est important d'apprendre la langue arabe et de savoir qu'à leur époque, ils n'avaient pas besoin de règles. Ils parlaient l'arabe sans faire d'erreur. Ça s'enseignait du père à l'enfant, de l'enfant au petit-enfant, etc. Et ils étaient très stricts quand quelqu'un eh bien, faisait une erreur dans la grammaire. C'est pour cela qu'ils allaient même jusqu'à préserver leurs enfants quand il y avait toutes sortes de pèlerinages. Même dans le a dans le paganisme, ils préservaient leurs enfants en les éloignant de la mecque et les envoyaient plutôt euh, vers d'autres contrées dans les montagnes etc euh, auprès de leurs famille ou auprès de pourquoi par crainte qu'ils se mélangent avec des gens qui n'étaient pas qui ne maniaient pas l'arabe comme eux et aussi bien et qu'ils prennent des maladies à travers les erreurs grammaticales de l'arabe c'était très strict quant à la langue arabe ensuite donc les générations sont venues les autres générations sont venues jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte que pour préserver la langue arabe, il fallait codifier, entre guillemets si on veut, les règles. Il fallait les mettre par écrit, instaurer des règles, euh, quelque part inventer des termes qui vont euh, représenter telle règle, telle autre règle, etc. Et les mettre par écrit. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin, à l'époque, des compagnons et du prophète. Wassalam, de même pour le, le, le tajwid. Le tajwid, ils le récitaient sans aucune erreur. Ils avaient déjà les règles du tajwid. Mais les générations sont venues après et ils se sont rendus compte, des savants se sont rendus compte que non, non, il faut maintenant mettre en place des règles pour préserver ces règles de tajwid. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin d'enseigner les règles ou de, de connaître des règles particulières. C'était en eux, c'était comme ça. Eh bien pareil, il y a eu la science du tajwid qui est arrivée, qui a été codifiée, écrite, des règles qui ont été mises en place. Et pareil pour la langue arabe. Il y a des règles de grammaire. Qui ont été mises en place. Et parmi les premiers, certains disent que c'est le premier, il y a euh, Al-Khalil ibn Ahmad, rahmatullahi alay, qui a commencé à mettre en place des règles pour euh, la langue arabe. D'accord Il a dit Bon, ça, on va appeler ceci. comme Maintenant, on a des règles qu'on va voir. Huruful Jar, quand on a fille, Allah, etc. On appelle cette règle-là. Euh, cette règle-là, on va l'appeler c'est la règle de Huruful Jar. D'accord Il moudaf, moudaf ilay. Complément du nom. Euh, le, 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 al D'accord etc. Donc, lui, il a commencé à écrire des règles et à dire cette règle-là. Donc, là, on met une fatha parce qu'il y a ce mot qui vient avant ou cette règle-là. Donc, je vais donner un nom à cette règle-là et je vais l'inscrire. D'accord Comme ça, les gens vont apprendre les règles et c'est sûr qu'ils ne se tromperont pas. Donc, ici, Al-Khalil ibn Ahmad, il a rapporté que c'est lui un des premiers, si ce n'est le premier qui a commencé à écrire les règles. Il a eu des élèves et parmi les plus grands élèves, il a eu Asibaway. Et il a eu al kisai Donc, c'est deux grands savants dans la langue, entre autres, dans la langue arabe. Sachant que Sibaway, c'est la référence ou une des plus grandes références dans le monde arabo-musulman de la langue arabe. C'est une montagne de sciences dans la langue arabe. Eh bien, sachez que Sibaway n'était pas arabe. Preuve en est que, ici, ce n'est pas parce qu'on est arabe qu'on est automatiquement les meilleurs, même dans la langue arabe, que dire dans la pratique religieuse. Donc, il y a eu Sibaway. Et. Ici, Sibawa, ouais, il y a eu une certaine méthodologie dans euh, la, la, la retranscription, euh, retranscription des règles, la mise en place des règles, etc. Et El Kisaï a eu une autre méthodologie qui se rejoignent. Et les deux sont bonnes pour vous rappeler qu'il y a des divergences même dans la langue arabe. Donc les divergences n'est pas quelque chose de mal euh, euh, de, de manière générale où certains disent que dès qu'ils entendent divergence, non, 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 il ne faut pas qu'il y ait de divergence. Non, la divergence fondée, je dis bien la divergence fondée et argumentée par de grands savants et érudits. Eh bien, ici n'est pas un mal, il est plutôt un bien. C'est pour ça que à Sibawai, a plutôt le minhaj, on va dire, ou le madhab de al-Basariyin et al-Kisa'i le madhab de euh, ici al-Kufiyyin. Mais dans tous les cas, on ne va pas rentrer trop dans les détails, dans toutes ces divergences et autres. Alors moi, le but, c'est à travers cette série, c'est de vous faciliter au maximum, d'accord Le but, comme je vous ai dit, c'est pas que vous deveniez, deveniez Sibaway, mais c'est simplement que vous puissiez ça y est, lire sans voyelle et que vous puissiez comprendre, que vous puissiez comprendre euh, l'arabe, le Coran, euh, euh, des exhortations, etc., etc., et pourquoi pas avoir des discussions, des échanges en langue arabe, d'accord Donc, on va aller étape par étape. Bien sûr qu'il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas et ne soyez pas frustrés. Ne vous précipitez pas à enchaîner les cours, d'accord Et ne soyez pas frustrés quand vous voyez qu'il y a un peu trop de règles et vous dites oh là là le but pour moi ce n'est pas que vous reteniez les règles par cœur mais que vous compreniez la règle d'accord même si c'est ce pas avec les mots techniques qu'on va citer mais que ça y est vous vous sachiez dire euh, euh, cela est un livre après le premier cours Hada je sais pourquoi je dis hada et je dis pas etc et que vous puissiez le dire ok donc on va aller doucement et on reviendra à chaque fois sur les règles inshallah alors la méthodologie pour pouvoir enseigner, euh, L'arabe, il y a plusieurs méthodologies, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs euh, euh, instituts, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs. Moi, j'ai choisi pour vous une, une, une manière, une méthode qui est utilisée euh, dans, dans, dans plein d'endroits du monde aujourd'hui hein, et qui, est à la base, est la méthode utilisée dans l'université de Médine. C'est les tomes de Médine. D'accord Donc, on va commencer avec le tome 1 de Médine. Pour cela, eh bien, pour ce faire, il, il y aura, ta'ala... Pendant chaque cours, comme je l'avais fait pour la série euh, Apprendre à lire l'arabe, eh il y aura le support qui s'affichera, le support PDF. Ici, euh, pas de tout le livre bien sûr, c'est simplement des textes. Et eh bien le support s'affichera euh, sur votre écran. Vous pourrez télécharger aussi le support en PDF. Par contre, si vous voulez vraiment le livre complet, donc ici va s'afficher le, 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 la couverture du livre sur l'écran. Et ici, je pense qu'il y a plusieurs éditions qui le font. En tout cas, le, ce, ce, cette édition que j'utilise, c'est de euh, Dar euh, Édition El Kitab. Et vous pouvez acheter le livre <coughs> si vous voulez. Comme ça, vous aurez non seulement les textes, vous aurez le support et vous aurez aussi les explications euh, traduites en français. Donc, ici, vous pouvez vous l'acheter. L'acheter, il, il, il vaut à peu près euh, 10 ou 12 euros. Euh, donc, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment avoir le support écrit. Sinon, ceux qui veulent avoir simplement le support qui s'affiche, et eh bien, vous, comme je vous ai dit, vous pouvez télécharger en PDF le support, Inch'Allah ta'ala. Donc, euh, alors, sachez qu'on on, on va, on va, on va faire des cours, ça sera assez technique, comme je vous ai dit précédemment. Petit à petit, on va avancer. J'apporterai aussi d'autres éléments qu'il n'y a pas dans les supports de livres, hein, de tomes de médine. Je pense qu'il <laughs> y a des choses qui, euh, qui, qui moi, à titre personnel, hein, qui j'aurais préféré les voir plus au début des cours, euh, des premiers cours, plutôt qu'à la fin du tome 1 ou bien au début du tome 2. Donc moi, je vais vous les, euh, je vais, je vais vous les citer directement lors des premiers cours, InshaAllah, à savoir aussi certaines règles de conjugaison, qui pour moi c'est impératif de les connaître dès le début, euh, euh, les pronoms personnels, etc. Euh, donc ça, je vais, vous, je vais vous donner ces informations au fur et à mesure, InshaAllah. Il y aura aussi peut-être peut d'autres textes qui ne figurent pas. Sur, dans les tomes de médine que je vous fournirai aussi. C'est des textes hein, de dialogue, euh, ici euh, par exemple, dialogue quand on est dans un taxi, dialogue quand on est au restaurant, dialogue. Peut-être je vous en fournirai en plus des textes qui sont déjà là. Je verrai, j'adapterai Inchallah. Par contre, les conversations seront à apprendre par cœur. Ça c'est impératif. Pourquoi Parce que si vous n'apprenez pas les conversations par cœur, et comme nous ne sommes pas dans un pays arabo musulmans ou à un pays arabe où on est en immersion quelque part, vous savez très bien que c'est très difficile de pouvoir parler l'arabe, ne serait-ce qu'avec des, euh, qu'à travers des cours académiques, on va dire. Donc il faut parler beaucoup, mais comme on n'a pas l'opportunité de parler et d'échanger beaucoup, car les gens autour de nous, par exemple nous, nous sommes en France, quasiment tout le monde parle français, c'est très difficile. Une langue, faut être imprégné en immersion pour pouvoir avancer rapidement. Donc la solution. Ici, où une des solutions, c'est d'apprendre par cœur les dialogues. Quand vous, avez, vous allez avoir un dialogue qu'on va étudier, bien sûr, ce dialogue-là, vous l'apprenez par cœur. C'est-à-dire, vous allez être en capacité de le dire en arabe et en français, en le comprenant, bien sûr. Moi, je vous dirais, par exemple, donc euh, comment dit-on, ceci est un livre vous, êtes en, vous serez en capacité, parce que vous aurez appris par cœur, de me dire, contrairement à des gens qui ils ne veulent pas apprendre les textes par cœur, les dialogues. Ben vous allez voir, ils vont peut-être faire 50 cours, ils n'arriveront toujours pas à faire un dialogue en langue arabe. Mais si vous appliquez cette méthodologie, vous allez voir que rapidement, après le deuxième, troisième cours, ça y est, vous pourrez déjà avoir des dialogues en langue arabe, échanger en langue arabe, traduire des phrases en langue arabe. Parce que le plus difficile n'est pas de traduire de l'arabe au français. Ça, c'est la compréhension, comme je vous ai dit, ça, ça va être assez simple. Ce que vous allez reconnaître les mots, etc. Mais c'est de traduire du français à l'arabe. Ça, c'est l'étape qui est beaucoup plus difficile. Mais on va, on va aller très doucement, Inch'Allah. Et une chose aussi, il faudra apprendre par cœur les mots de vocabulaire. Ça, c'est impératif. Alors, vous savez très bien que si une personne apprend des centaines, voire des milliers de mots de vocabulaire d'une langue, même s'il a suivi aucun cours de grammaire ni de conjugaison, il pourra comprendre la langue. Il n'y a pas de secret. D'accord C'est pour cela qu'on voit dans beaucoup de pays, même en France, des gens qui peut-être n'ont pas été à l'école. Mais comme ils ont, ils ont été en immersion dans le pays, ils ont appris beaucoup de vocabulaire, ils ont reconnu beaucoup de mots, ben ils parlent et ils comprennent la langue. Par contre, si vous lui dites, explique-moi c'est quoi un COD je vais dire « C'est quoi un COD Tu me parles de quoi C'est quoi un complément du nom Je vais dire, je comprends rien du tout, moi. Tu vas lui dire des choses de base dans la conjugaison Je ne comprends rien. Par contre, il parle très bien le français et il comprend très bien le français. Donc, les règles de grammaire, c'est impératif. D'accord, on l'a bien compris, parce que ça nous permettra de lire sans les voyelles, mais aussi de ne pas se tromper dans la langue arabe. Et pourquoi c'est important de connaître quand même les règles de grammaire Parce que les règles de grammaire nous permettront de connaître les terminaisons des mots. Ok Savoir si le mot termine par a, ou par i, ou par ou, ou par un, ou par in, ou par an. Mais quelqu'un me dire « oui après. Eh bien ça va apporter un sens différent à la phrase. Vous voyez La grammaire arabe, c'est ça. Ça vous permettra de savoir si le mot termine par une fatha, a, ou une kasra, i, ou une damma ou, etc. Mais pourquoi c'est important de savoir si ça termine par a, i, ou bah, Le a veut dire quelque chose. Le ou veut dire quelque chose, la damma, Le i veut dire quelque chose. En gros, en gros, en gros. Je, je, en gros, il y a plein d'exceptions, mais en gros. Quand... On a ou, damma, on sait qu'on parle d'un sujet. Vous suivez bien, c'est très important. Quand on, ça termine par un, 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 un i, une kasra, on sait que c'est un complément du nom. D'accord Et quand ça termine par un a, une fat'ha », on sait que c'est un cod. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris énormément dans la grammaire. On va prendre un exemple. Alors, permettez-moi, je reviens rapidement de, sur ce que j'ai dit précédemment. Le vocabulaire, c'est très important parce que même si vous ne connaissez pas les règles de grammaire, en tout cas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre en gros. Mais dans la langue arabe, ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que, comme je vous ai dit, si vous, vous n'avez pas les règles de grammaire, vous n'allez pas savoir si c'est A, I ou Vous allez parler, vous allez comprendre, mais vous n'allez pas savoir vraiment dans les détails est-ce que c'est un COD, un complément du nom, etc. Et ça change le sens de la phrase. Pour ça, c'est une langue très subtile et, et quelque part, entre guillemets, très sensible. Une chedda, ça change le sens de la phrase. Une prolongation, ça change le sens de la phrase. Une voyelle change le nom de la phrase. D'où l'importance d'apprendre la grammaire. C'est ça qu'on va faire les cours de grammaire, mais d'expression et de conjugaison aussi. La grammaire arabe, ce qu'on appelle aussi un nahu. D'accord Je vous donne un exemple. Ensuite, on finira là pour l'introduction, le cours d'introduction. D'accord Le premier cours qui est extrêmement important. Et le prochain cours, on pourra commencer directement le premier cours, les premiers exercices. Si nous prenons un verset coranique, qui est dans surat al-Baqara, le verset 124. Le verset 124 de surat al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, entre autres, parce que je ne vais pas citer tout le verset coranique. Il nous dit, Ok, vous avez compris que, la langue arabe, la grammaire, c'est les terminaisons. Donc, Allah il nous dit Et lorsque Ibrahim lorsque Ibrahim fut éprouvé par son Seigneur. On est d'accord. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit précédemment Trois choses à connaître impérativement et vous allez voir beaucoup plus clair par la suite, inshallah. La damma, le ou, c'est le sujet. La fatha, c'est le complément d'objet direct. C'est celui qui subit l'action, si on veut. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite. Vous allez voir ça va être simple après. La kasra, c'est le complément du nom. Un nom complément du nom. OK. On a besoin d'un autre mot pour compléter le nom, complément du nom. OK. Vous avez ces trois éléments. Prenons le verset coranique, Allah dit wa ivi Donc il y a l'épreuve. Ibrahim, Abraham, rbe, son seigneur. Maintenant, c'est qui qui éprouve qui bah, avec, avec la terminaison, je vais savoir qui éprouve qui. Pourquoi Je vais savoir c'est qui le sujet et c'est qui qui subit l'action. Vous suivez bien. Donc si vous avez compris ce que j'ai dit précédemment, si je dis, donc l'épreuve, on comprend que Allah c'est le sujet. Et Ibrahim c'est lui qui subit l'action donc c'est le cod donc c'est qui qui éprouve qui Allah éprouve Ibrahim on est d'accord imaginez-vous maintenant quelqu'un se trompe en lisant le Coran et il va dire astaghfirullah, il va dire wa betala Ibrahim mou donc Ibrahim devient le sujet Je j'ai pas dit rabouh arbaou donc là on voit que c'est Allah d'accord le Seigneur qui est qui est COD ici, donc d'un point de vue grammatical. Donc c'est lui qui subit l'action. Donc c'est qui qui éprouve qui là. Là on, on, on est ramené à dire, on est amené à dire que c'est Ibrahim qui éprouve Allah, qui met à l'épreuve Allah. Et là c'est grave. Vous Voyez le sens comment il peut changer et ça on peut tomber dans une compréhension très grave. D'où l'importance de la terminaison des mots, c'est ça la grammaire et de connaître les règles de grammaire qui vont nous permettre de savoir si c'est un a, i ou an, etc 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 donc j'espère que ça a été clair pour vous, donc on est rentré un peu dans le technique ici. Maintenant vous allez voir que je ne vais pas vous frustrer avec beaucoup de, de détails techniques, mais par contre il y aura beaucoup de règles, parce que la grammaire arabe, c'est des règles. Par contre on va essayer de les simplifier, moi ce qui m'apporte le plus, c'est pas que vous connaissiez les règles par cœur dans les détails, mais que vous compreniez la règle, vous reconnaissiez la règle. InshaAllahu'ala. Donc euh, ici, le premier cours d'introduction a été fait. Et bien maintenant, si vous avez compris cela, inshallah ta'ala, on va pouvoir, lors du prochain cours, commencer le premier cours des euh, tomes de Medjin, inshallah ta'ala. al-darsu al-awwalu, wa billahi tawfiq, wa barakallahu fi naufikum, wa alaykum rahmatullah.